إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد Chers frères et sœurs, la connaissance d'Allah est la raison fondamentale de l'envoi des messagers à travers la longue histoire humaine. Chaque prophète est envoyé à sa communauté pour leur rappeler cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala innée en eux, mais qu'il vous oublie vite. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la raison fondamentale de la révélation des livres divins. Chaque livre divin est révélé pour détailler aux gens cette connaissance d'Allah à travers ses signes cosmiques et ses signes religieux, c'est-à-dire ses recommandations. Voilà la sagesse de la création de toute l'existence. Il s'agit de connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers d'une part les différents axes de sa connaissance, l'axe de la rububiyya ou seigneurie, l'axe de la rububiyya ou divinité et l'axe des asma ou des sifat ou nom et attributs de perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers d'autre part, les différentes méthodes conduisant à sa connaissance. Méthodes qu'il a détaillées dans ses livres révélés et par lesquels il s'est messagé des prophètes tels que la méthode tardive ou l'exposé de ses bienfaits et récompenses, et la méthode tardive ou exposé de ses rigueurs et punitions. La méthode tahaddi ou défi consistant à demander au pécreur de créer comme il a créé, d'apporter un livre semblable à sa révélation ou de se mettre à l'abri de la mort. Chers frères et sœurs, en tant que créateurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que nous sommes, vous et moi, des créateurs qui existent depuis un certain temps et qui sont appelés à disparaître tôt ou tard, est-ce que nous avons connu notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt, est-ce que nous avons fourni des efforts pour chercher à connaître notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ou c'est juste le conformisme, l'imitation des autres? Voilà une question générale qui s'adresse à chacun de nous et qui exige donc une réponse particulière de la part de chacun de nous. Je ne vous demande pas de me répondre, mais que chacun de vous qui me suivez à cet instant précis ou qui écoutera ou lira ce serment après et qui ne sait pas ce que l'avenir lui tâche, répondre à lui-même en son âme et conscience, sachant parfaitement que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a créé et qu'il a doté d'un cœur pour comprendre et d'un cerveau pour réfléchir, le voir, l'entendre et connaître le contenu de son cœur et l'orientation de son cerveau, et qu'il interrogera sans aucune poussière de doute sur cette question, car il a dit et sa parole ne souffre pas de changement. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oui, lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Ainsi, les oreilles et ce qu'elles auront entendu dans ce monde, les yeux et ce qu'ils auront vu dans ce monde, le cœur et ce qu'ils auront médité et commandité, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Écoutez-nous donc avec vos oreilles, vos cœurs, même et avec vos cœurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde, vous et moi, d'être de ceux qui écoutent sans entendre, de ceux qui entendent sans comprendre, de ceux qui comprennent sans accepter, de ceux qui acceptent sans appliquer, et de ceux qui appliquent sans être agréés au riyad de Billah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le nom du Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, atiu Allah wa rasoulah. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان الشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يهود بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون Aux croyants, obéissez à Allah et à ce messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler, et ne soyez pas comme ceux qui disent, nous avons entendu, alors qu'ils n'entendent pas. Les vieux de bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets, ils ne les ont pas. Et si Allah avait reconnu à mieux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent, mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient seulement le dos et s'éloigneraient.
aux croyants. Répondez à Allah et aux messagers lorsque ces derniers vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Chers frères et sœurs islam, avons-nous connu notre Seigneur ou tout au moins avons-nous fourni un effort ou un sacrifice pour connaître notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Réfléchissez bien sur cette question. En attendant la suite de ce sermon, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et nous protège davantage partout et toujours. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa connaissance et la connaissance de sa religion afin que nous puissions vivre sur terre en adéquation avec la volonté divine, accomplir correctement la mission pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre et gagner dignement les faveurs éternelles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège davantage notre cher pays Niger, son peuple, les Nigérois et tous ceux qui l'aiment et qui vivent dedans. Allah subhanahu wa ta'ala fasse échouer le complot de ceux qui complotent de près ou de loin contre le Niger et son peuple, sa population, sa religion, l'islam, sa sécurité, sa paix, ses richesses et son avenir. Allah subhanahu wa ta'ala nous débrasse de ces comploteurs par la manière et la voie qui lui plaisent. Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre ses miséricordes et ses bénédictions sur nous, sur notre cher pays Niger, sur son peuple ainsi que sur le reste de l'humanité. Baga wa sallim wa sallim wa ala rasulikum Muhammad, kama yumukim bidari, Allahumma wa sallim wa sallim wa barik wa alihim wa abidah rasulikum Muhammad, wa ala alihi wa babahum ala sahabi al-bayin wa ala bihamdika ya Rahman Rahimi, Allahumma aizza al-islam wa muslimin fi kulli makan, Allahumma aizza al-islam wa muslimin fi kulli makan, wa alina al-haqqa haqqa wa rizukun itibara, wa alina al-batil batil wa rizukun ishnaba, Allahumma fula la wa likhwanina al-muslimin wa muslimat, الأحياء منك أمواتنا قريب جيودا وطلب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وعليهم على ابنك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة يا أرحم الراحمين